Vas-y, c'est bon. Bien, le, moi, je suis intervenu, j'ai pas participé directement à la réunion à laquelle a été publiée l'ensemble des élus, mais j'avais travaillé sur le dossier, je regardais avec le conseil régional, depuis 2001, la région a financé 1,5 million d'euros pour cette entreprise, des aides diverses et variées. Quand je vois qu'à l'issue de cette réunion, l'ensemble des élus, la proposition est encore faite d'intervenir, vraisemblablement auprès des collectivités, pour octroyer des prêts. Je pense qu'il va falloir d'abord se tourner vers les banques, et c'est l'intervention que j'ai fait en session au conseil régional. Je me réfère tout simplement au discours du préfet le jour du 1er novembre, dans les médias, dans la presse, dans la montagne en particulier, et qui dit qu'il existe de l'argent dans les banques en Auvergne pour venir en aide aux entreprises dans le cadre de cette crise qu'on est en train de vivre. Moi, je crois que cette proposition-là, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils interviennent auprès des banques pour exiger qu'elles viennent en aide aux entreprises qui sont en difficulté. Encore faut-il qu'elles soient en difficulté. Je ne suis pas si sûr que ce soit le cas chez Corecreux. Quand je vois que depuis 2003, enfin entre 2003 et 2006, il y a eu des excédents, des richesses ont été créées, 2007 aussi, même si elles sont inférieures. Et en 2008, on décide de verser encore des dividendes aux actionnaires.